Salut, salut tout le monde, c'est T6 Gaming ou T6 Maker, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo donc de GTA 5 Online, on m'a proposé un défi en message privé, c'est d'en fait de braquer 10 magasins le plus rapidement possible et sans se faire tuer par les flics. Ça va être dur, donc 10 magasins, il m'a dit que c'était le minimum. Donc, on va essayer d'en faire plus. Allez, on va essayer de bien conduire. On va aller à une supérette et on va tout prendre. Allez, go. On y va. Allez, on va commencer par celle-là. Donc, prendre l'argent de toutes les supérettes qu'il y a. Je vais essayer d'aller prendre sur toutes les supérettes, tout simplement. Allez, hop. Je vais être stratège. Je vais mettre la voiture juste devant. Pour éviter d'avoir des problèmes après. Allez, on braque celle-ci. Donc il m'a pas dit si je dois tuer le magasin, si je dois tuer le machin là qui est là. Bêche-toi, vite. Vite, j'ai pas tout mon temps. Oh merde, putain, mais ça, bah oui, ça, il fallait bien sûr. Allez, vite, prends l'argent. Maintenant, on a moins. C'est quand on est stressé qu'on n'y arrive pas. Allez, est-ce que je vais réussir déjà à faire 10? Si j'en fais 10, le défi sera réussi. Et là, ben, ça sera le plus cool. Au revoir, messieurs. Oh là là, on va essayer de passer par des points stratégiques. Allez, ah, il y en a une là-bas. Hop. Une supérette qui se trouve juste en face. On va essayer de se la faire. Bon, ça serait bien que tu arrêtes de faire des dérapages. Oui. Allez, le plus vite possible. Hein. C'est-à-dire, pause. Ça va être chaud patate. Doucement. Voilà, fais doucement. Vas-y doucement, petit. Allez. On va essayer de braquer tout ça. Allez, vite, donne-moi ton argent. Dépêche-toi, je t'en supplie. J'ai pas tout mon temps. Allez. On prend l'argent qu'il y a là. Putain, il y a un moustique chez moi. C'est pas possible. Allez. Non, vous m'aurez pas. Là, toi, là. Allez. J'ai sûr, je vais me faire niquer. Allez, vite, grouille ton cul. Allez, on y va. On va essayer de passer. Je vais essayer de faire des petits zigzags. Allez, on va essayer de passer par là, de faire les fifous. Non, je t'en supplie. Roule bien, mais roule pas vers là-bas. Mais t'es con, quoi. Allez, on va vers là. Je sais pas où aller. Vous savez quoi. Allez, on a 4 étoiles. Donc, ça fait 2. 2 supérettes. Faudrait en faire 10. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Très chaud. Désolé monsieur, je voulais pas le faire. Allez, on va essayer de... Oh putain. Non. Bah non. Ah bah oui, il fallait ça. Bon, me casser plus les couilles. Allez, on va essayer. On va pas désespérer. On va peut-être y arriver. Non, vous avez pas me casser les couilles longtemps. Alors il n'y aura pas de pause, hein. Allez, je t'en supplie. Je fais une glissade qui est très rapide, s'il te plaît. Pour s'il les met. Alors je sais plus c'est quoi ton nom, mais. Allez, mais putain, bah oui. Bah. Coince-toi, bien sûr. Allez. Je t'en supplie, petite. Ne sois pas ridicule. Mais va pas dans l'eau, tête de gland. Mais va pas dans l'eau, mais putain. Oh, on va aller là. J'ai mis de la musique. Ben, si j'en... Ben oui, fais tout doucement. T'as tout le temps, tu sais. T'es prêt à mourir, mais tu prends tout ton temps. Bien sûr. Allez, on a fait 2 magasins. Donc si je meurs, la mission sera
raté. Tout simplement. Non, il faudra recommencer. Mais je le ferai deux fois puisqu'il a mon HDP vert. Mais putain, mais... ben oui. Putain, je suis en train de m'acharner sur ma manette là parce que... En fait, enfin moi, c'est incohérent. Enfin, je sais pas. Si t'es prêt à mourir dans la vraie vie, je crois pas que tu... Ben oui, colle-toi au flic. Fais-lui l'amour, t'as. Suce-le. Il est prêt à mourir, hein. Mais bon, il va prendre tout son temps. Enfin, moi, je sais pas. Je sais pas. Là, oui. Bon, allez, hop, la mission, je crois qu'elle est... Enfin, le truc, là. Bien sûr, ils arrivent à me viser. Ben oui, ils arrivent à me viser hyper bien. Ben, mais oui, mais toi... Bien sûr, hein. Bon, on va essayer d'être zen. Donc, on a 4 étoiles. Hein, on va essayer de, déjà de trouver un moyen pour... Bah oui, je suis dans une... Allez, on va essayer de faire le tout pour le tout. Quand je dis... Bon, allez, on est obligé de recommencer toute l'émission. Ça va être la galère. Ah bah oui, bah voilà, ça, j'adore ça. Sur GTA, voilà, on était en pleine, voilà, ils nous spawnent ici, voilà. En gros, on n'a pas de voiture autour de nous. Putain, ça me dégoûte ça. GTA ne savent pas créer des choses bien. Ça, c'est un truc qui m'énerve, ces moustiques de merde qui me tournent autour. Allez, mes canons, bah oui, mais toi aussi tu vas me casser les couilles. Allez, allez. Bah oui, ça c'est chiant, GTA, voilà. Juste ça, ça peut me faire rager, mais beaucoup. GTA, vous spawn. Ah non, ça va, il y a des voitures ici. Là, c'est la voiture où j'étais dedans. Voilà, ça me fait penser à... Vous savez, à des histoires souvent. Ouais, on a retrouvé le véhicule, il est mort. On va prendre un véhicule comme ça. Prendre... Et mon mécano, s'il veut bien répondre, ça serait sympathique. You need something, huh? Allez! Allez, on va prendre n'importe quelle voiture, tu sais quoi. Et je t'en supplie, mais viens vite, parce que... Hein, prendre une supérette qui est en ville, parce que là, c'est trop la merde pour... Allez, une supérette en ville, voilà. Pas plus près? Non, il n'y a pas. Ah si, il y en a une. Hop, on va aller en première celle-là. Ma bagnole, elle est juste ici. Oui, la bagnole n'est pas du tout customisée. Moi, je la trouve très belle, cette voiture. Allez, on y va. Sans radio. Voilà. Allez. On y va doucement, mais sûrement. Donc, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like. Ça me ferait énormément plaisir. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. D'accord. Voilà. Et les voitures, plus ça va, plus j'ai l'impression qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent grimper où ils veulent. Il y avait une barre, elle est, je suis sûr, là, je vais sur la barre, elle va dessus. Je fonce dessus, mais elle va aller, elle va passer par dessus. C'est incohérent, mais bon. Allez, on va passer par ce petit tunnel. Hop. Allez, à partir de maintenant, je vais essayer de conduire hyper bien. Et d'aller jusqu'à cette supérette. Oh, là, il y a de la trotte, hein. Quand même, hein. Bonjour, monsieur. Désolé, j'ai fait une petite cascade que je fais d'habitude. Pardon ? Attends, t'as fait quoi, là ? J'ai bien vu ? Ok, j'ai bien vu. Alors, tu sors de ta voiture. Tu m'as fait un doigt. Qu'est-ce que t'as avec ton toit, toi? Toi aussi, salope. Non mais, vous prenez pour qui? On va prendre la moto. La moto, elle est restée toute droite. Allez, on va aller en moto. Comme un fifou. Allez, en moto, je suis hyper bon en conduite. S'il n'y a pas de trucs qui vont faire que du coup, je vais être mauvais. Normalement, je suis hyper bon. Pour les motos. Je l'avoue. Je veux pas me... Enfin, pour les motos qui vont plus vite. Parce que là, elle est un peu ennuyante, cette moto. Ce qui fait que je roule moins vite. Que je fais moins de trucs impressionnants. J'ai envie de vous dire. Allez. S'il te plaît.
Péché de ta... Des péchés toi. Ah, elle est bien, mais bon. Avec une bonne moto, on fait des trucs plus impressionnants, on va plus vite. Il y a plus de choses, quoi. Alors que là... Camion de poubelle qui a dérivé. Allez, on y va. Attends, passe pas par là. Passe par là. Pas que les filles te voient. Allez hop. Voilà. Là, je vais pouvoir faire des trucs impressionnants. Ah, maman. Dan mamacita. Non, eh oh, quand même, c'est bon. Tu as arrêté de foncer partout. Dan mamacita. Ouais, je chante mal, je sais, mais j'ai pas une carrière de chanteur en même temps. Je suis pas né pour être chanteur. Je suis né pour être ce que je suis. Si ça plaît. Si votre ami a rejoint le crew. Félix, ça fait longtemps lui qu'il était. Mais je m'en fous qu'il ait rejoint le crew de l'os. Je connais pas ce crew, mais. Allez, on y verra. Ah ouais, on y est. On va faire en moto. Mais putain. Il y a un clochard qui est mort là ou quoi? Bravo. Ouais, ça doit être un. Char clos qui est mort. Le pauvre. Ah, quand je vois ça, ça me fait de la peine. Hein. Bonjour monsieur, je voudrais tes sous et ton crâne. Ton crâne, je vais te le détruire. Donc dépêche-toi. Je vais essayer de pas faire la même erreur que j'ai fait tout à l'heure. Vite, allez, vite. C'est d'ici que j'ai pas de micro, parce que quand on a un micro, bah, merci, c'est bien. Je vais pas te tuer. Enfin, quoique, j'ai les flics au cul, donc maintenant, il n'y a pas trop d'importance. Allez, je t'en supplie. Il y en a un devant, il y a un hélicoptère là-bas. On va essayer d'y aller. De faire un deuxième. En moto, ça... Putain, mais... Putain, le flic de mes couilles. Hein. Mais, bah oui, bah oui. Visée automatique, là. La visée automatique... Je tire sur le flic, je veux viser sur le flic, mais ça vise à côté. Allez, on a 13 minutes de la vidéo. On va essayer de faire un truc. Alors, je vais voler une petite bagnole, là, comme ça, parce que j'ai une deuxième voiture qui s'est fait confisquer. C'est des nouvelles bagnoles, ça. Je sais pas. Je n'y suis pas du tout. Excusez-moi, madame. Allez, pas de radio. On va... Oh, zut. Allez, hop. Mais non, pas... Oh là là. Pas boutique de vêtements. Qu'est-ce que je veux, déjà? Ah oui. Mais putain, mais je veux quoi, là? Depuis tout à l'heure, je cherche. Mais sont les... Ah, y a pas les boutiques. Mais normalement, si. De billets, type de vêtements. Ah ben y a même pas. Ok, devrait faire ça. Bon, c'est ouf. On va aller à celle-là. Allez, on y va. Mais j'ai pas de moto. Si j'en ai une, je vois pas pourquoi j'ai pas commandé. Toi, tu vas pas me casser les. Allez, vas-y, passe. Mécano, j'allais dire Monaco. J'espère que tu vas pas me dire que c'est pas possible. Ouais, mais... voilà. Allez, je demande... cette voiture. Pêche-toi de la ramener. Ah non, cette moto, oui, c'est vrai. C'était une moto. C'est ce que je voulais. Donc c'est la nouvelle moto. Allez, on y va. On va aller...
faire ce qu'on avait à faire. Je la trouve pas géniale. C'est une moto qui est pas géniale. Bon, là, je pourrais faire un peu plus de trucs impressionnants, vous allez voir. Vous allez voir, je suis le roi en moto. À chaque fois que je dis ça, je me fais écraser par quelqu'un. Donc toi... Mais putain, mais t'arrêtes ! Salope. On voit que c'est une femme qui est au volant. Oui, donc non. Attends, attends, attends. Je préfère de suite mettre un truc clair. Je ne suis pas du tout macho. C'est que tout simplement, j'ai vu que c'était la vérité. Que les femmes conduisaient mal. Alors, je dis pas que c'est toutes les femmes. Mais j'ai vu, à plusieurs reprises, hein. Par exemple, la dernière fois, ben, on a une boutique ici. Bon, je vais vous expliquer vite fait. La dernière fois, j'étais en fait avec... J'étais avec ma mère, on est parti à Carrefour. D'accord. Et il y a eu une personne. Je savais pas qui c'était, c'était un homme ou une femme, je m'en foutais. J'ai vu en fait, je traverse, mais la personne fonce. D'accord. Bon. Ou sinon, il y avait quelqu'un qui faisait marche arrière. La dernière fois, j'étais derrière. Elle faisait marche arrière. Mais elle continue à faire marche arrière alors que j'étais derrière. Elle ne s'arrêtait pas. Mais j'ai pu constater, mais il n'y avait que les femmes qui faisaient ça. Voilà. Ou sinon, les femmes, c'est des salopes. Ils nous laissent jamais. Donc, bien sûr, quand je dis salope, je dis pas au vrai sens du terme. Hein. C'est une façon de parler. Je suis pas contre les femmes, je suis pas macho. C'est que, et même la dernière fois, quand j'ai. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai voulu traverser, mais les femmes, ça ne laisse jamais passer n'importe qui. Voilà. Ça dépend. Il y a des femmes qui sont hyper cool. Il y a des femmes, c'est des connasses. Allez, mais toi, tu vas me laisser. En général, c'est des vieilles peaux, vous savez, les vieilles directrices d'école. Je rigole. Surtout, c'est une risque. Toi, t'es mort. C'est une directrice qui regarde ces vidéos. Allez, on va passer stratégiquement par là. Hop, toi, tu m'as pas vu. Allez, une autre boutique. Ah ben non, c'est vrai qu'on peut pas... Putain, on est obligé de mettre start pour aller dans une boutique. Je vais essayer de me cacher. Donc, le défi, c'est d'y aller le plus vite possible. Donc, j'essaie de voir s'il n'y a pas proximité. Bon, je vais carrément essayer de me promener quand j'aurai une boutique. Allez, c'est pas le moment. Putain, mais ben oui! C'est pas le moment, bordel de merde, là. C'est pas... Ben oui. À chaque fois... C'est quand les filles sont à côté de moi que je me prends un truc, soit un truc dans la gueule ou... Allez. On va essayer de trouver une petite boutique à braquer. Ça fera la deuxième. En espérant que j'y arrive. Bah voilà, voilà. C'est ce que je vous disais. Chut, ça vraiment, ça commence à me stresser beaucoup. Allez, dégage. Dégage, allez, putain, foutez-moi la paix. Allez, on y va, on va essayer de faire ce défi. Allez, non, non, mais... Vous allez voir, ils vont être à côté de moi et je vais me prendre un truc, vous allez voir. Je regarde en fait la carte le plus souvent. Je crois d'ailleurs que c'est tout le monde hein, qui font ça, donc du coup, ça fait... Puis bien sûr, ces flics de merde... Maman, maman, maman... Toi, tu me casses les couilles avec tes épines, là, tu crois que tu vas me crever mes pneus, salope. Allez, là, je sais pas où je vais... Je ne sais pas où je vais. Mais. Oh, moi, j'ai réussi un saut. Oh putain. Je les ai semés. Faut vite que j'aille. Prends tout ton temps. Hein. Enfin, moi, je sais pas. Et sincèrement. Allez, hop, on va essayer. Sincèrement. Quand on est recherché par les flics, on prend son temps comme ça, sérieux? Enfin, moi, pas. Personnellement, je sauve ma vie. C'est de tout. Oula, ma voiture, elle fume. Vite. Allez, faut vite. Aller trouver une deuxième boutique, là on n'a pas le temps de vérifier où, de quoi, où, est-ce, comment. Ah, on va, même si on a déjà braqué celle-là. Enfin, même si on a déjà braqué. Avant, je l'ai. J'ai envie de crever. Non, c'est bon. Je vous parle pas de là, là, je l'ai pas faite. Hein. Mais avant, j'ai déjà faite, apparemment. Te prends pas. Ben oui, ben, essaye de bien conduire, allez. Ou pas. Bien sûr. Putain. C'est des salopes. Bah, je vais essayer de vite faire les semer. D'aller quelque part, de faire demi-tour. Allez.
Je t'ai une supplie. Réussi cette. Non, là, ils vont te voir. Je vais pas essayer de les semer à fond. Hein, parce que là, du coup, la mission sera pas réussie. Je vais essayer qu'ils s'écartent un peu près. Et que, ils sont... que je ne suis plus dans leur champ visuel, tout simplement. Là, il y en a un qui arrive. Donc, je vais essayer d'aller au fond. Toi, je vais t'écraser pour les faire chier. Allez. 8, là, il y en a un. Faut pas qu'ils soient dans ton champ de vision. Faut aller de ce côté. Donc bon, bien sûr le oh non mais putain je voulais pas les semer à fond oh. Bon allez on va rebraquer un bonjour monsieur le pote. Attends, je vais le chercher parce que du coup voilà 3 étoiles comme tout à l'heure. Allez on y va. Voilà donc du coup la mission n'est pas ratée. Pff, ça va. Vous allez pas m'en vouloir quand même. Est-ce que ça du tout? Ok. Bon, si tu veux rester comme ça, reste comme ça. Si tu veux pas réussir la mission. Allez. Vas-y, vas-y, vas-y. Fais des zigzags pour éviter qu'il tire dessus. Toi, tu. Mais dégage, enculé, là! Dégage, espèce de. Sale pute! Mais putain, mais. Parfois, je vous promets, j'ai l'impression que. Mais. Putain, bah voilà. J'ai l'impression que les civils. Sont parfois avec les flics. Allez, vous savez quoi? Bah oui, ça c'est à cause du civil de merde là. Putain. Ça m'énerve. Je sais pas si vous, ça vous arrive quand les flics vous coursent, il y a souvent des gens qui vont vous bloquer. C'est strident ça, mais c'est incroyablement chiant. Pff, toi, tu vas me passer ta bagnole parce que. Allez. On va. On va y aller. Oui, c'est. Je sais, je sens hyper faux. Un magasin. Bon. On est à 22 minutes. On va braquer le magasin qui est. Et là, hein? Pourquoi pas? Allez, on va essayer d'y aller. Ah, faut pas bouffer McDo, mec. On va essayer de. Beau dérapage. Bonjour, monsieur. McDo t'aime? Bouboule. Bon. Hop là. Putain, il s'est garé où il faut. Bonjour, messieurs et mesdames. La gueule, Martin. Moi, je veux aller. Bonjour, monsieur. Je voudrais un cheeseburger. Dépêche-toi avant que j'y tue. Non. Mais 4 étoiles déjà. Je suis dans un. Bon, ben écoutez. Je crois que je vais même pas oser sortir. Parce que je crois que je vais me faire défoncer la gueule. Dès que je vais. M'évader. Donc je vais préférer ne pas sortir. Allez, on va quand même le faire. T'en supplie. Allez, un autre magasin. Je t'en supplie. Allez, faut trouver un autre magasin à braquer. Allez, vite, 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 vite. On n'a pas le temps. Pas le temps avec ces sottises. Allez. On va essayer d'en braquer un autre. Bah oui. Allez, 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 allez. Toi, je t'ai braqué, on va à l'autre. Si là, j'y arrive pas, ben, le défi sera raté. Écoutez, qu'est-ce que je voulais. J'essaierai peut-être une autre fois. Cette vidéo, par exemple, il y a des gens qui la commentent. Et s'il y a des vues. Ben, je recommence. S'il n'y a rien du tout, s'il n'y a pas de vues, enfin, s'il y a des vues par exemple, mais s'il n'y a pas trop de commentaires, si personne l'aime, si voilà, ben, je verrai. S'il y a des gens qui participent, moi j'attends que des gens participent au video gaming pour en faire plus, tout simplement. C'est-à-dire, en gros, si celle-là, je dois la refaire, je la referai, ça y a pas de souci, mais
si j'ai 5 vues en 2 journées sur une vidéo gaming, non j'abuse, avec 40 vues en 2 journées sur 45 000 pour 3 400 et quelques abonnés, bon toi tu me donnes ton fric, toi aussi, dépêche-toi. Ok, j'ai pas le temps de discuter moi. Allez hop, donne-moi tout ton fric. Ça c'est fait. Ah bon d'accord, bon, je crois que c'est raté. Ah mais merde. Bon ben voilà. La mission, enfin là, le défi a été raté. Mais si quand même vous avez aimé cette vidéo, mes enfants, enfin... mes petites crapules, ben n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à cette vidéo, ça me ferait super plaisir de ne pas avoir que 2 likes sur, par exemple, 40 personnes qui regardent la vidéo, d'avoir que 2 likes. Voilà. Et puis voilà, donc sinon, je vous souhaite une très très bonne soirée, ou bonne nuit, bonne journée. Et puis voilà, allez, ciao les gens.